physiquement fatigué, ça nous a joué dans la tête un peu plus. Puis ça a donné qu'on était mentalement fatigué aussi, ce qu'on a fait des petites erreurs. Tout le monde, ça a donné que l'Alberta, ils ont joué du très bon volleyball, pas beaucoup d'erreurs. Nous autres, on en a fait un peu trop. On n'a pas servi comme on sort d'habitude, puis ça a donné qu'ils ont gagné, pas nous autres. C'est sûr, notre cœur était pour aller chercher l'or, mais bon. On a donné notre possible, on n'a pas sorti notre meilleur game. Alberta, c'est super bien joué, puis ça a donné qu'on a eu l'argent, mais c'était vraiment... C'est vraiment un tournoi super le fun à jouer, puis on est sorti de gagnant. Je veux dire, on est venu ici en voulant performer, puis on a fini par performer, puis on a fini avec la médaille d'argent. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, c'est sûr, mais je pense qu'on en sort gagnant quand même. Là. On a une belle équipe, je considérais comme une famille là, qu'on a joué avec cet été. Puis j'ai tout le temps dit que le volleyball, c'était pas un sport individuel, mais on a tout fait ça en équipe, puis je suis content d'avoir été là pour les gars. Puis dans ma ville natale, c'est vraiment super, c'est ici que j'ai grandi, puis c'était super le fun, c'est magique. Là, je vais avoir un petit repos pour une couple de jours, puis ensuite, je retourne avec l'équipe nationale cet été. Il y a un tournoi en Colombie-Britannique cet été, fin septembre. Puis ensuite de ça, j'ai signé en France pour un club professionnel, puis fait que je m'en vais là l'année prochaine, puis beaucoup de volleyball qui s'en vient pour moi.